Lorsque tu
ce forteresse serait enlevée en nous, nous pourrons vraiment contempler face à face Dieu qui est saint. C'est donc pour laquelle sa parole nous déclare dans Romains, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Comment vivre dans sa tribulation? Hébreux 12, verset 14 nous dira, cherchez la paix. C'est la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous sommes là ce soir pour nous interpeller, pour nous inviter à marcher sur la voie de la sanctification. Marcher sur la voie de la sanctification nous demande à remettre en cause notre ego, à remettre en cause les plaisirs de la chair. Nous devons sortir des lieux où les querelles s'installent, où les querelles s'imposent. Nous devons sortir des lieux de l'alcool. Nous devons sortir des lieux de la sexualité, de l'ivrogne, de l'adultère. Nous devons sortir des lieux du mensonge. Nous devons sortir des lieux, bien aimé dans le Seigneur, près de son humanité, près de son Christ, de ce qui conduit forcément à l'enfer, notamment les cigarettes, notamment la vie du péché, pour tendre vers le royaume des cieux. Raison pour laquelle nous devons vraiment, nuit et jour, chercher à confesser nos péchés. Lorsque nous confessons nos péchés, Dieu, il est fidèle, juste, Dieu, pour nous pardonner nos transgressions. La parole déclare, celui qui ne confesse point ses péchés, Dieu ne lui pardonnera pas. Voilà pourquoi nous devons toujours venir à Jésus lorsque nous savons que nous avons péché contre ciel et terre. Comme l'apôtre Paul dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché contre le ciel et la terre, je ne suis plus digne que tu m'appelles ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs, traite-moi comme l'un de tes esclaves. Ça vous dit que Jésus de Nazareth, le Tout-Puissant, Dieu par qui tout a été fait, Dieu qui a été au début de la création, est miséricordieux. Dieu est un Dieu lent à la colère et plein d'amour. Sa bonté dure pour toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons aucun droit de dire que nous sommes sales devant le Seigneur malgré nos péchés et que Dieu ne pourra pas nous pardonner. C'est pourquoi nous sommes là pour interpeller, nous inviter tous que Dieu, le pardon de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu puissant, n'est pas limité. Notre Dieu n'est pas impuissant. Son oui, son nom, c'est non. Le Dieu Tout-Puissant, dans Ésaïe 59, dit « Dieu n'a pas les oreilles pour ne pas nous entendre. Il n'a pas aussi la main pour ne pas nous venir en aide, pour ne pas nous sauver. Mais ce sont nos péchés, bien-aimés dans le Seigneur, qui met une croix, qui met une barrière entre nous et le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont nos fautes, ce sont nos crimes, bien-aimés dans le Seigneur, qui nous éloignent de la face de Dieu. Pourquoi ça? C'est parce que Dieu, on ne peut ne contempler que dans la sanctification. On ne peut que contempler Dieu étant dans un état de sanctification, dans un état de pureté. C'est donc pour laquelle il nous demande à chaque instant que nous péchons devant lui de demander la repentance, ceci par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, prévu dans le Seigneur, a le pouvoir et la capacité de conscientiser notre conscience des œuvres mortes. Raison pour laquelle nous devons toujours plaider le sang de Jésus dans tous nos domaines de notre existence, dans toutes les activités existentielles, dans tout comportement de l'homme dans le Seigneur. Nous devons demander que le sang de Jésus vienne plaider, vienne parler en notre faveur. Car ce sang de Jésus fort que celui d'Abel. Le sang de Jésus parle en nous plus fort que celui d'Abel. Les hommes pour la peine, bien aimé, vous pouvez vous faire en humanité, revenant à Jésus, pour vraiment chercher à vivre la repentance sincère et véritable. Car notre Dieu, le Seigneur des Seigneurs, sa venue est proche. Le Seigneur est à la porte, il attend. Il entend nos cris, mais seulement tous nos cris qui nous éloignent de sa face. Nous sommes là ce soir pour nous annoncer le message de la repentance. Comment se repentir?
identification, soit tu prétends vivre dans l'immoralité sexuelle, tu prétends vivre dans l'impudicité, tu prétends vivre dans l'alcool, tu prétends vivre dans l'idolâtrie, et là tu te donnes raison. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Nous devons toujours nous remettre en cause pour chercher quelle est la volonté de Dieu dans ma vie. Est-ce que le fait de fumer la cigarette, le fait de fixer les bonnes nuits, le fait de vivre la polygamie, le fait de mentir, le fait de voler, le fait de porter un faux témoignage sur mon prochain, sur ma voisine, est-ce que cela glorifie le nom de Dieu? Si nous sommes conscients on va continuer après, chérie. C'est ça le message de la terre doctrine. C'est le message des saints des derniers jours qui est venu dans le Seigneur. Nous sommes à la fin des temps et nous sommes les saints des derniers jours. En quoi devons-nous plaire à Dieu, malgré notre état de pécheur, malgré que la chair est faible, l'esprit est ardent, mais comment faire dominer, comment se mortifier, voilà, mais comment mortifier notre corps pour tendre vers l'excellence, pour tendre vers le paradis. C'est là le message de ce soir. Comme là, bienvenue dans le Seigneur, pour nous interpeller tous. Moi qui parle, sur le chemin de la perfection. La perfection, c'est une question continuelle. Ce n'est pas quelque chose à mi-temps. La perfection, c'est un effort continuel qu'on devait faire. La perfection, c'est un travail de tous les jours. La perfection, c'est un travail. Et tu trouves son plaisir dans le nom de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau dont les feuilles ne pétrissent jamais, dont les feuilles ne périssent jamais. Mais tel n'est pas le sort des méchants. Le méchant, c'est tout homme qui aspire à la vie de la débauche. Le méchant, c'est tout homme qui aspire, à vivre la vie du péché. Le méchant, c'est toute personne qui s'adonne à l'alcool. Le méchant, c'est toute personne qui nie et qui hait, qui haït la parole de Dieu. Le méchant, c'est toute personne qui rejette la parole, la sainte doctrine. Mais n'oublions pas qu'on peut vivre, on peut chercher à vivre et à plaire. On peut gagner l'univers. Mais la chose, la question qui est capitale, qui s'adresse à nous tous, à quoi sert un homme, comme le grand Marc, de gagner l'univers s'il vient afin de perdre son âme? À quoi sert un homme de gagner toutes les richesses de ce monde s'il vient afin de perdre son âme? C'est là où nous devons quand même nous questionner, nous interroger, parce que notre vie ne nous appartient pas. Notre vie n'est pas une éternité. Nous avons été déçus par le péché adamique, raison pour laquelle nous sommes devenus des êtres mortels. Mais avant le péché d'Adam, on avait la possibilité de vivre l'éternité sur cette terre. Nous avons la possibilité de vivre le paradis sur cette terre. Mais depuis que nos grands-parents, nos soyeux, Adam et Ève ont péché, nous avons eu le péché, nous sommes séparés du péché, et le péché maintenant a pris corps dans notre vie. Le péché maîtrise maintenant notre personnalité, raison pour laquelle nous sommes devenus des êtres pécheresses. Raison pour laquelle la sanctification, la marche de la conversion, l'école de Jésus, l'école de l'Esprit, marcher avec l'Esprit et faire les habiletés de l'Esprit, marcher dans la vie spirituelle, marcher dans les principes spirituels, devient pour un chrétien du 21e siècle, un chrétien contemporain, un pape, une casse-tête, une casse chinois. Marcher aujourd'hui dans la sanctification devient pour ces deux personnes et une opportunité pour d'autres personnes de demeurer dans leur état de péché. Ça, ce n'est pas la vie de chrétien. Ce n'est pas à ça que le Seigneur nous attend. Ce n'est pas à ça que le Seigneur nous recommande, dans le Seigneur. Pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons toujours chercher à vivre une vie qui plaît à Dieu. Nous devons chercher dans toute activité, dans tout domaine de notre existence, chercher à plaire, à vivre une vie qui plaît à Dieu. Dieu est là pour nous tous. Dieu est là pour tous. Dieu n'a pas un cœur pris. Il n'a pas un cœur comme le cœur humain, un cœur partagé. Dieu a un cœur non partagé. Dieu a un cœur ouvert, le cœur de Jésus, le cœur sacré de Jésus
est ouvert. Son cœur n'est pas fermé pour seulement les chrétiens. Jésus n'est pas venu seulement pour les chrétiens. Jésus n'est pas seulement venu pour les soi-disant telle dénomination. Jésus est venu pour tout le monde. Voilà pourquoi la mort de l'éclat, il est le chemin, la vérité et la vie. Il dit, nul ne peut aller au ciel sans passer par lui. Pour aller au ciel, nous avons besoin de confesser, de croire au Seigneur Jésus et de confesser de notre bouche qu'il est Seigneur et qu'il règne au ciel. Il est Seigneur et est assis à la droite de Dieu le Père. Bienvenue dans le Seigneur, croire en Jésus, c'est un privilège. Croire en Jésus, c'est notre affaire à tous. Croire en Jésus, c'est notre destinée qui est en jeu. Croire en Jésus, bienvenue dans le Seigneur, va être un devoir, va être un droit pour tout chrétien, va être un droit pour toute personne qui vit sur la planète Terre. Ce n'est pas un droit réservé seulement aux chrétiens, mais c'est un droit réservé à toute personne qui veut gagner le ciel. C'est un droit. Réservez un plan même naturel, réservez à tout être humain qui veut aller au ciel. C'est donc pour laquelle faire la volonté de Dieu, mais chercher à marcher convenablement à la volonté de Dieu, c'est un droit, c'est un privilège. Qui veut vraiment expérimenter ce privilège? Voilà la raison pour laquelle nous sommes là, pour nous exhorter tous. Nous tous, nous voulons expérimenter. Nous tous, nous voulons avoir ce privilège. Donc, bienvenue dans le Seigneur, frères et sœurs en humanité, frères et sœurs en Christ. Le message de ce soir nous interpelle à voir, à revoir notre vie. Le message de ce soir nous interpelle tous, bienvenue dans le Seigneur, à revoir nos attitudes en tant que chrétiens, à revoir nos comportements en tant que chrétiens. Ne soyons pas les chrétiens de dimanche et vivre une vie en incompatibilité avec la parole de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et il aime que ses enfants marchent dans l'ordre. C'est un Dieu saint. C'est un Père saint. Il veut aussi que nous soyons saints. Bien-aimés dans le Seigneur, ne négligeons pas les faibles commencements, comme le dit la parole de Dieu. Ne méprisons pas les faibles commencements. Ne négligeons pas le respect scrupuleux de la parole de Dieu. C'est seul la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous donnera la sainte vie au ciel. C'est seul la parole de Dieu qui nous donnera, bien-aimé dans le Seigneur, un pouvoir d'entrer au ciel. Mais comment faire pour marcher complètement vers la parole de Dieu? Une clé est simple. Pour marcher complètement vers la parole de Dieu, donc avoir une vie de consécration. Nous devons concentrer toute notre personnalité à Dieu. Nous devons vouer toute notre personnalité à Dieu. Notre vie va être agréable à Dieu. Notre vie va être une vie vouée, une vie carrément destinée à faire les choses célestes. Nous devons abandonner les plaisirs charnels. Nous devons nous mortifier bien dans le Seigneur. Nous devons à visite, à côtoyer les bords de rue,
un autre riche en elle, c'est par exemple vivre l'adultère. J'ai ma femme, mais je sors avec une maîtresse. Ça, vivre dans ça, et si le retour de Jésus arrivait, les hommes dans le Seigneur, les hommes dans le Seigneur, frères et sœurs en humanité, frères et sœurs en Christ, nous ne serons pas enlevés. Nous ne serons pas pris dans les airs. Nous ne serons pas pris avec notre Seigneur Jésus qui viendra dans sa gloire, qui viendra comme un être glorieux pour chercher le tout, pour chercher ses mâles, pour chercher ses enfants. C'est pourquoi nous devons mourir. Nous devons faire mourir, c'est un effort compliqué. Ce n'est pas facile. Nous n'avons pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de l'Église dans le Seigneur qui nous donne le pouvoir, qui nous donne la capacité de pouvoir faire mourir en tout ce qui est flanel. Et donc pour laquelle nous devons crucifier, nous devons crucifier en nous la chair, nous devons crucifier en nous, nous devons crucifier encore en nous les plaisirs, les appétits de la chair, les appétits charnels. Nous devons faire mourir en nous tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés en humanité, nous sommes appelés à quitter tout mon intérêt, tout mon fait par la peine. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour faire la volonté de Dieu? Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour respecter ce que Dieu me demande? Et si après ma mort, le message de l'enlèvement m'est donné propre un salut, voilà Jésus. Parce que c'est mieux de rendre le Seigneur, de faire la volonté de Dieu et d'accomplir ses œuvres dans nos vies respectives. Mais c'est plus mieux que de chercher à vivre dans la maison de Dieu. La parole de Dieu, 1000 ans est comme hier devant la face du Seigneur. La parole de Dieu encore, passer un jour dans la présence, dans les parvis de Dieu, vaut mieux que 1000 ans. Pourquoi ça? C'est parce que tout ce que nous cherchons aujourd'hui, tout ce que nous aspirons, tout ce dont notre plaisir nous envoie à posséder, ce n'est que des choses de ce monde. Il y a une autre vie qui est plus supérieure. Il y a une autre vie qui est plus meilleure. C'est celle de la vie éternelle. C'est ce message-là du salut que nous annonçons ce soir. La vie après la mort, mes amis, les frères et sœurs, c'est l'humanité. L'enfer revient pour vous empêcher de croire en l'existence du paradis et vous faire croire que c'est rien que nos œuvres que nous payerons le salut. C'est faux. La Bible déclare l'homme vivra ce qu'il aura semé. La semence que nous aurons vécu, nous aurons semé sur cette terre, d'un second allons demain bénéficier de la loi vraiment de la semence et de la récolte. C'est un vrai scripture. Ne croyez pas que tu vas semer le vent, mais tu vas semer le maïs et le pâté demain, le riz. Ce n'est pas possible devant le Seigneur. Le principe de la vie après la mort, c'est un principe clé de notre recherche, de notre vie. Nous devons chercher, mes amis, le royaume de Dieu. Nous devons chercher la justice de Dieu. Nous devons chercher à faire la volonté, à accomplir, à respecter la parole de Dieu. C'est la seule voie qui peut nous amener au ciel. Quoi qu'on dise, nous sommes là pour chercher à plaire à notre Seigneur Jésus. Quoi qu'on dise, nous sommes là pour chercher à gagner les âmes pour le ciel. C'est le ciel qui est notre destin. C'est le ciel qui est notre destinée finale. C'est le ciel qui est notre vie finale. Nous n'avons plus notre vie ici sur terre qui soit plus glorieuse et qui soit encore plus meilleure que d'aspirer au ciel. D'aspirer à gagner le ciel. Fais l'œuvre de Dieu nous donne la grâce de chercher à être dans le temps d'attente, de chercher à vivre, de chercher une sorte de gagner le ciel. Que notre Dieu est une sorte de gagner le ciel.
ciel. C'est pourquoi nous devons toujours quitter tout ce qui est du monde, étant de même les lieux célestes. Bienvenue dans le Seigneur. Aujourd'hui, les gens cherchent à écouter ce message, mais ils n'ont pas cette possibilité parce que ils n'ont pas eu cette grâce, cette faveur que des gens viennent leur annoncer ce message de la repentance. Beaucoup, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu dispersés dans plusieurs continents cherchent à écouter le message du salut. Mais le temps, les contextes culturels ne leur permettent pas. C'est pourquoi nous, Sénégalais, nous, peuple sénégalais, nous, chrétiens sénégalais, à qui le Seigneur fait la grâce de découvrir ce message du salut, saisissons la bien-aimée dans le Seigneur. Saisissons ce message du salut et faisons corps avec ce message. Saisissons cela et faisons corps avec ce message. Car nous n'aurons plus la possibilité de nous repentir après cette vie terrestre. Nous n'aurons plus la possibilité de nous repentir devant le tribunal céleste. Nous n'aurons plus la possibilité de nous repentir devant la justice. Bien-aimés, revenons à Jésus. Il est temps,
sang de nos dans le Seigneur, porte notre vie à nos vies à Christ. Le sang de le Seigneur, qu'on se repente. Le cœur de Jésus saigne. Le cœur de Jésus pleure encore parce qu'il voit son enfant dont le diable a mis la possession. Donc, le cœur de Jésus saigne parce qu'il voit son enfant vivre encore dans les choses de ce monde, dans les choses sataniques, dans les choses qui ne glorifient pas son cœur. Le cœur de Jésus saigne dans le Seigneur parce qu'il voit que nous ne sommes pas encore dignes de ce qu'il a prévu pour nous. Il voit que nous ne sommes pas encore prêts, nous ne sommes pas encore débarrassés du vieil homme, nous ne sommes pas encore débarrassés du vieil homme, parce que nous voulons nous accrocher aux choses de ce monde et oublier ce qui est l'essentiel, bien aimé. Il y a une différence entre le plaisir et l'agréable, bien aimé dans le Seigneur. Il y a une différence entre Jézabel, entre Dieu et Jézabel. Il y a une différence, bien aimé dans le Seigneur, entre Dieu et Satan. Il y a une différence entre, bien aimé dans le Seigneur, entre Jésus-Christ, le Seigneur, qui est le Seigneur de tout l'univers, et les choses de ce monde. Il y a une différence, bien aimé dans le Seigneur, entre les choses célestes et les choses terrestres. Quel choix dois-tu faire? Quel choix dois-tu faire, bien aimé dans le Seigneur? Quel choix dois-tu obéir devant? Je dois obéir aux tentations de ce monde et oublier aux choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, le nom pour lequel nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, pour annoncer le message du salut. C'est un message qui nous intéresse. C'est un message auquel nous devons prendre, nous devons accorder beaucoup d'attention. C'est un message, bien aimé dans le Seigneur, auquel nous devons vraiment accorder plus de crédibilité. C'est un message devant lequel nous devons vraiment donner toute révérence. Parce qu'il n'y a plus d'autres messages plus sérieux, d'autres messages plus importants que ce que nous annonçons ce soir. Raison pour laquelle vous, Sénégalais de Castor, nous, peuple Sénégalais qui sommes à Castor, nous devons vraiment nous convertir. Si on n'était pas encore convertis, nous devons, ou bien si on était convertis, on a perdu le premier amour. Donc, perdre notre premier amour, revenons à Jésus, reconvertissons-nous. Il a un cœur plein d'amour, il a un cœur ouvert pour nous accorder toutes ses grâces. La grâce de Dieu surabonde. La grâce de Dieu surabonde. Qui veut la posséder, qui veut profiter la. Qui veut profiter, la grâce de Dieu est disponible pour tout le monde, bien aimé dans le Seigneur. La grâce de Dieu est disponible ce soir. Qui veut saisir cette opportunité? Qui veut saisir ce soir l'opportunité de bénéficier de la grâce de Dieu? Qui veut vivre cette espérance spirituelle qui est d'être gratifié, d'être rempli de faveur, d'être rempli des grâces surnaturelles. Qui vient après ce soir pour expérimenter cela? C'est ça le message de ce soir. La grâce de Dieu n'est pas indisponible comme nous sommes toujours indisponibles devant le Seigneur. La grâce de Dieu est disponible pour tout homme, pour toute femme, pour tout enfant. La grâce de Dieu est disponible pour tout homme, pour tout enfant.